Salut à tous, donc en fait je vous avais dit qu'on continuait le scénario d'Orisa, mais finalement j'ai décidé que non. Donc on va continuer le scénario de Savant. Donc là ça fait aller ouais, 7-8 mois que je n'ai pas enregistré RNH. Hein. En fait c'est quand Janax m'a parlé de RNH, parce qu'il s'est mis à regarder subitement, que j'ai... Je me suis dit mais on restait pas des vidéos de RNH là. Et puis je regardais, j'ai vu, oh putain, il reste 4 vidéos de RNH qui datent d'il y a 4 mois, j'étais 8 mois. Enfin 7, enfin, on s'en fout. Enfin, il y a 4 vidéos que j'avais oublié de mettre, quoi. Donc je me suis dit, bah je vais les mettre. Parce que Zelda, ça m'a saoulé, parce que ça m'a énervé à un moment quand j'enregistrais, voilà. Donc là, si vous voulez continuer le cerveau de Rizard, on peut le faire ici. Il suffit de sauvegarder et charger la partie, prendre Rizard, voilà. Mais j'ai dit que je continuais Salent, donc on continue Salent. Moi j'avais même pas fini ma phrase. Ouais, je disais, et donc du coup, j'ai retrouvé les vidéos. Je me suis dit, bah tiens, je vais continuer à RNH. Pour me remettre dans le bain, j'ai fait couler de l'eau. Non, je déconne. Tiens. Oui, donc pour me remettre dans le bain, j'ai regardé mes anciennes vidéos. De RNH, hein, bien sûr, pas de Cold Dancer. Parce que je me rappelais, mais plus du tout à quel point j'en étais et tout. Donc voilà. Donc là, il faut appuyer, vous voyez l'espèce de poteau qui bloque les coffres. Et bien, hop. Voilà. En fait, tous les poteaux que t'es levé, ça les baisse, et tous les poteaux que t'es baissé, ça élève. Vous voyez que les monstres font pas mal de dégâts. Une espèce de lézard, de... Enfin des reptiles quoi. Mais en fait cette vidéo je l'ai déjà faite. Et j'ai fait une grosse connerie en fait. Bon ça on s'en fout. Bon, on va quand même regarder. C'est quelque chose avec Terra. Comme dans la 6. Je vais essayer de la créer. Quelque chose de Terra. Bon, allez, on va dire que c'est O. O Terra. O Terra. T, 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 T. T, H, E. Ça n'existe pas. Ah non, ça n'existe pas, T, H, E. Bah non, il n'y a pas. J'ai du mal à voir, non. On a été sûr, pourtant. Merde! Ah! Voilà. On met dans les touches. Ah si. Ah, T-E, H. Ah, ok. Je crois que c'était T-H-E, moi. Comme du thé. Non, mais attendez. T-E. Donc pour nous ça veut rien dire en plus, mais enfin pour eux non plus ça veut rien dire. Mais à la base le jeu avant la traduction c'était avec des kanji, enfin des caractères japonais. Start. Voilà. Dommage de vite sur tout le monde. Non, bah c'est pas ça. Alors c'est pas Otera, c'est quelque chose d'autre. Atera alors. Merde, tout se retapé. Non, annulé. Bon, QT. Ok. Terra. Non. Bon, alors, on va pas chercher à trouver. On perd du temps là. Voilà, maintenant on réappuie sur le bouton. Alors ce qui m'énerve le plus dans RNH, c'est la fréquence des combats quoi, c'est... Elle est beaucoup trop élevée quoi. On se tape un combat tous les 10 pas quoi. Bon, heureusement que les musiques sont énormes. J'aime bien les animations des persos aussi. D'ailleurs Janax m'a fait remarquer que les... Comment... Les ennemis étaient animés.
Alors que dans FF6, non, j'avais jamais fait le rapprochement en plus. Enfin, j'ai remarqué que c'était animé, mais je crois plus. Enfin, j'avais pas vu le. Enfin, vous avez compris quoi. Entre RNH et FF6, j'ai jamais vu que RNH était animé et FF6 non. Bon, FF6, ça m'a pas dérangé que ce soit pas animé personnellement. Hein. Donc là, on peut brûler avec des magies, on s'en fout. Oh, tiens, je vais la tester. Là, Naruto, j'ai mis Naru, en fait, ça suffit. Tôt, c'est juste que c'est plus puissant, je crois. Voilà. Ouais, bof. Putain, j'ai oublié de faire un truc, là. Et voilà. Donc vous vous doutez bien qu'il y a un boss pas très loin. Ouais, ça me saoule. Un boss pas très dur d'ailleurs. Je sais pas si vous entendez bien la musique. Bon, de toute façon, quand sera le boss, je vais monter la musique. Parce qu'elle est énorme, la musique de boss. Celle que j'aimais moins, celle de Sion en fait. Vous voyez, à cause des combats, quoi, la durée du truc, ça gâche tout. Enfin, je veux dire, pour une vidéo, vous avez vu combien de chemins j'ai parcouru, là? Bah, ça fait déjà 424 secondes, là. Enfin, c'est peut-être moi qui joue comme une fille, aussi, mais... Voilà, quoi. Voilà, là, il faut appuyer sur le bouton pour baisser les pics de l'autre escalier. Ce qui nous permet de... passer par là. Voilà. Vous voyez. Bon, heureusement, il y a beaucoup de combats et tout, donc du coup, on met du temps. Donc, du coup, bah, le donjon est pas long. Enfin, c'est le début du jeu. Hein. Voilà, on est déjà arrivé là. Donc, là, on voyait. Ah oui. Je sais pas si vous vous rappelez, on devait venir pour les enfants en fait. Parce qu'il y a les sectaires ici. Ils passaient par là et donc, on devait venir là. Des enfants qui avaient été enlevés par des poupées. Voilà, il est un petit peu barjo. J'essaie de laisser plus longtemps les dialogues maintenant parce que j'ai remarqué que je passais trop vite. Enfin, moi ça va, j'ai le temps de lire, mais je sais pas. Voilà, ça c'est fameuse poupée quand enlevait les enfants. Là, je vais foutre le son là. Elle est énorme. Thank you.
Voilà. Vous voyez, c'était assez rapide. Et franchement, j'adore la musique de Risa et de Sam, j'adore quoi. Enfin, celle de son est pas mal aussi, mais. Scar, elle va mieux avec la personnalité de son en fait. Mais bon, je préfère quand même celle de Risa et de Sam. Enfin, parmi les deux, je préfère celle de Risa. Voilà, donc là, on va déjà livrer les enfants. Alors ça, c'est vraiment très con, ce que tu viens de dire. Grimper tous dans la barque, alors que si en fait on essaie de s'enfuir par la barque, parce qu'on pouvait pas retourner en arrière, il disait, il n'y aura jamais de place pour nous trois. Je vous jure. Alors que là, il y a assez de la place pour tous les enfants. Quoi. Voilà, vous voyez un enfant qui a une gueule particulière, donc qui est important. En plus, les persos ils sont marrants, enfin, ils essaient même de mettre de l'humour et tout, quoi. Là, on doit tous retaper par contre. C'est pas long. Hein, mais... Voilà. Donc, attendez, je vérifie un truc. 3 jours, ok. Ce truc n'importe quoi, t'sais. Voilà, oui, puisque c'est le docteur Mioni qui nous a dit de d'aller chercher les enfants. Vous allez voir que le scénario de Seven, enfin, je l'ai déjà dit, c'est mon préféré parmi les trois, mais il est vraiment énorme quoi. Voilà, on passe au 4e jour. Ah, génial cette musique aussi. J'ai du mal à régler la musique, je sais jamais si elle est trop forte ou pas assez. Enfin, déjà, c'est jamais trop fort, hein, c'est vrai. Mais si ça crache, enfin voilà. Ouais, mais la musique mystique là, c'est. Elle est géniale cette musique quoi. Voilà.
Normalement, pour regarder une éclipse, ça nous crame les yeux, quand même. Bon allez, on reste plus qu'un somme. Le gros salopard. Il dort en plein truc. Mais où le docteur? Eh? Qu'est-ce que j'allais dire? Ah, il fait con, il fallait prendre la porte du... Bah non, on peut pas rentrer. Oui. La pierre Lego. Voilà, vous rappelez l'intro, bah c'est ça. Chaque race disparaît et on crée une nouvelle en fait. Et voilà. Bon, on va bientôt se quitter. Ça a une super fin. Et Salant s'est fait buter. Est-ce que vous avez déjà vu ça dans un jeu? Le héros qui meurt. Et là, on est bel et bien mort. Hein. On est dans le royaume des morts. Mais on est mort. Comme vous voyez, si on clignote, c'est normal. C'est pas un bug, c'est parce qu'on est mort. Kulgan. Et voilà. Allez, on se quitte ici. À la prochaine. Salut.